Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est composé de deux questions. Chaque question contient des questions. Pour la première question, on a porté un appartement à une étoile moins le centre de temps 1. On pose A de n est égal à factorielle n au carré plus 1. La première question est la question A montrant que A de n est impair. Oui, la seconde, la question démontrer que A de n admet un diviseur premier strictement ce P de la n. La question C, on admet que P s'écrit sous la forme de P est égal à 4 plus 3, avec appartenant à n, montrer que A de n divise le nombre factoriel n puissance 2 factoriel de k plus 1 plus le 2 plus 1. Et que le nombre P divise le nombre factoriel n P plus factoriel n. En déduire que le nombre P ne peut pas s'écrire sous la forme de 4P plus 3 avec appartenant à n. Enfin, la deuxième question. En déduire de ce qui précède que la suite numérique 4N plus 1 avec n appartenant à n contient une infinité de nombres premiers. On va rédiger la première question. Montrons que A de n est impair. Bon, on a n appartenant à n étoile moins le simple temps 1. Donc, n est supérieur ou égal à 2. D'où, factoriel n est égal à 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par jusqu'à n. Et puisque n est supérieur à 2, alors il contient 2. Donc on peut écrire sous la forme de p. D'où, factoriel n au carré est égal à 2π au carré, qui est égal à 4π carré est égal à 2 facteur de 2π carré. Comme p est un antinaturel, car c'est le produit des antinaturels, alors p, on peut l'écrire sous la forme de h. D'où, avec h appartenant à n. D'où, a de n est égal à factoriel n au carré plus 1 qui est égal à 2h plus 1. Donc, a de n est impair. Il est congru à un module 2. La question B. Bon, la question B, voilà la question B, montrant que A de n admet un diviseur, voilà la question B, montrant que A de n admet un diviseur premier, supérieur. Strictement, un diviseur premier strictement supérieur à n. Bon, on va procéder par absurde. On suppose
qu'il existe un nombre premier P inférieur ou égal à N tel que P divise A de N. On a inférieur, bon, inférieur c'est donc P inférieur ou égal. On a P inférieur ou égal à N, donc factoriel N, on peut l'écrire sous la forme 1 multiplié par 2 multiplié par N, que l'on peut écrire sous la forme 1 multiplié par 2 multiplié par. Bon, il contient tous les facteurs du factoriel N sont tous les nombres entiers naturels qui sont inférieurs ou égaux à N. Puisque P est inférieur ou égal à N, alors P est l'un des facteurs de factoriel N. Donc on peut l'écrire sous la forme P multiplié par P plus 1 multiplié par jusqu'à N. Donc, que l'on peut écrire sous la forme de PT. D'où, factoriel N est égal à PT avec T appartenant à N. T appartenant à N, car c'est le produit des entiers naturels. D'où, A de N est égal à P, A factoriel N, pardon. A factoriel, pardon, factoriel n au carré plus 1 qui est égal à pt carré plus 1. Cela implique que 1 est égal à n moins pt carré. Et comme P divise A, N, et P divise P carré T, car P carré T est un multiple de P. Bon, puisque P divise, c'est le nombre, alors P divise la différence. Et comme la différence manque, comme alors, P divise A de N moins PT carré, d'où P divise A. Cela implique que P est égal à 1. Absurde, ceci est absurde, car N n'est pas premier. Car 1 n'est pas premier. Donc, A de N admet un nombre premier supérieur strictement à N. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question C. On admet que P peut s'écrire sur la forme avec un montre que A de N divise. Bon, on admet la question C. On admet, pardon. P s'écrit sur la forme de 4K plus 3 avec K appartenant à N. Maintenant, montrons que A de N divise
A2n divise factoriel n puissance de facteur 2 du k plus 1 et que P divise factoriel n puissance P plus factoriel n. Voilà. On va commencer par la première question. On va commencer par la C. C divise voilà A de n est égal à factoriel n au carré plus 1. Cela implique que factoriel n au carré est égal à A de n moins 1. Donc factoriel n facteur 2 du k plus 1 est égal à factoriel n au carré le tout puissance k n plus 1 qui est égal, bon ici nous avons la puissance d'une puissance, c'est une puissance de mi-base et d'exposant le produit des exposants. On va remplacer factoriel n par a de n moins 1, donc est égal à a de n moins 1 puissance du k plus 1 moins 1 qui est égal, bon, a plus b puissance n d'après la formule de Vinov, donc est égal la somme de i est égal à 0 jusqu'à du k plus 1 si i du k plus 1 a n puissance i moins 1 puissance du k plus 1 moins i, moins 1. Voilà, c'est la formule du binôme. A plus b puissance n, si, bon, a moins b puissance n, c'est a moins, c'est a plus moins b puissance n. Donc, il est égal à la somme du i est égal à 0 jusqu'à n, de c du e n, a puissance i, b puissance n moins i. D'accord. Qui est égal à la somme de i est égal à 0 jusqu'à du k plus 1, si i du k plus 1 a n i et s'amplifie sur la forme moins 1 puissance du k plus 1 moins i moins 1, bon, qui est égal, on va donner a i 0, donc c'est la somme de i est égal à 1 jusqu'à du k plus 1 c du k plus 1 a n puissance i moins 1 puissance du k plus 1 moins i, c'est plus 1, pardon, c'est plus 1 c plus 1. Bon, pour i est égal à 0, on aura plus c0 du k plus 1 a n puissance 0 moins 1 puissance du k plus 1 moins 0. Donc, il est égal
Bon, c'est zéro. N, quel que soit une appartenant à n est égal à factoriel n sur n moins 0 factoriel, multiplié par 0 factoriel, donc il est égal à 1. Donc si la somme du i est égal à 1 jusqu'à du k plus 1, si i du k plus 1 à n puissance i moins 1 puissance du k plus 1 moins 1 moins i, pardon, moins i plus 1 moins, pardon, plus 1 multiplié par a n puissance 0 c 1 multiplié par du k moins 1 puissance du k moins 1, du k moins 1, du k plus 1 c'est un nombre impair, donc moins 1 puissance 1 nombre impair est égal à moins 1, donc est égal. Ici, on va factoriser par a du n, donc a du n facteur de i est égal à 1 jusqu'à du k plus 1, si i du k plus 1 a n puissance i moins 1 puissance, bon, et moins 1 du k plus 1 moins moins i plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1 est égal à 0. Donc, a du n, cette quantité, la combinaison des antinaturels, c'est un antinaturel. On va l'appeler par exemple k avec k appartenant à n. Donc, a du n multiplié par k est égal à factoriel de facteur du k plus 1 plus 1, donc a de n divise factoriel n puissance de facteur du k plus 1 plus 1. Voilà pour cette partie de la question. Maintenant on va passer à montrant que P divise factoriel P plus factoriel F. Bon, on a factoriel N puissance P plus factoriel N est égal à factoriel N facteur de factoriel P moins 1 plus 1 qui est égal factoriel n factoriel t t c'est k plus 3 moins 1 plus 1 qui est égal à factoriel n k par k plus 2 plus 1 qui est égal à factoriel n puissance 4k plus, bon, on voit ici, factoriser par 2, 4 c'est 2, multiplié par 4, donc si 2 facteurs du k, 2 du k, pardon, 2 facteurs du k, plus 1, plus 1. Et on a déjà montré que cette quantité, et comme factoriel n, factoriel du k plus 1, plus 1 est égal à a du n multiplié par k, d'après cette égalité, alors, factoriel n puissance
plus factoriel n est égal à factoriel n multiplié par a n k. Et on sait que p divise a n. Donc, il existe t appartenant à n tel que pt est égal à an. D'où factoriel n puissance p plus factoriel n est égal à 2n multiplié par k, donc est égal à ptk qui est égal à ph avec h appartenant à n. H est égal à dp appartenant à n. Donc p divise P plus factoriel n. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question D. D. Déduire de ce qui précède que P ne peut pas être de la forme quatre k plus 3. Bon, on a P divise à N on a P divise factoriel N puissance P plus factoriel n. Et puis, pardon, si c'est d'après ce qui précède, bon, on a P divise factoriel n P puissance P plus 1. Pardon, P divise factoriel n puissance P plus n factoriel. Et P ne divise pas factoriel n, car il se divise factoriel n, il divise P, alors il divise 1. Donc, il ne peut pas être. Donc il n'est pas divisé, il ne divise pas factoriel n. Et comme P est premier, donc, d'après le théorème, de Fermat, n factoriel puissance p moins 1 est convenu à 1 modulo p. Cela implique que factoriel n puissance p moins 1
moins 1 et quand grâce au mode de pi do pi divise factoriel n puissance p moins 1 moins 1 et comme a du n divise bon a du n divise factoriel n puissance de facteur de k plus 1 plus 1 i p divise a de n alors p divise factoriel n puissance de k plus 1 plus 1 c'est-à-dire que p divise facturier n puissance 4k plus 2 plus 1. Alors, P divise facturier n puissance, bon, P c'est 4k plus 3. Donc, c'est 4k. Pardon. Factoriel n puissance p moins 1 plus 1. Et comme p divise factoriel n puissance p moins 1, pardon, oui, moins 1, alors puisqu'il divise. Évidemment, donc il divise la différence. Cela implique que P divise factoriel n puissance P moins 1 moins plus 1 moins facteur, pardon, moins, pardon, moins factoriel n puissance P moins 1 moins 1. Cela implique que P divise. Bon, ici factoriel n puissance P moins 1 plus 1 moins factoriel n puissance P moins 1 plus 1. Bon, il y a des termes qui vont se disparaître. Donc P divise 1 plus 1, c'est 2. Cela implique que P est inférieur ou égal à 2. Ceci est faux. En effet, P est supérieur à N et N supérieur ou égal à 2, car N appartenant à N étoile moins le singleton A. Donc, si P est supérieur strictement à N, alors P est supérieur strictement à 2. Donc, absurde. Donc, P ne peut pas être de la forme de 3K avec K appartenant à N. Voilà la question 2. La question 2, en déduire de ce qui précède, que la suite. Unique
Cette suite contient une infinité de nombres. Contient une infinité de nombres premiers. Bon, on a, quel que soit un appartenant à n, a du n admis, un diviseur premier supérieur strictement. P admet un diviseur premier P, pardon, comme P appartenant à N, alors P, il va s'écrire sous la forme 4K O. P O 4K plus 2 O. Bon, tu ne peux pas être sous la forme de 4K, car K divise P. P c'est la nombre premier, donc il ne peut pas être sous la forme. P ne peut pas être de la forme de 4K plus 2, car il sera divisible par 2 et n supérieur à 2. Et P supérieur à N et N supérieur à 2. D'après ce que précise, P ne peut pas être sous cette forme. Donc, P, il va s'écrire sous la forme de. Il va s'écrire sous la forme 4K plus 1. Donc, quel que soit un appartenant à N, A du N admis un diviseur premier supérieur ou supérieur ou égal à supérieur strictement, pardon. Supérieur strictement N, à N avec un diviseur premier P tel que P est écrit sous la forme de 4K plus 1. Donc N décrit l'ensemble N étoile moins 1. Donc pour chaque N, il existe un nombre premier de la forme 4K plus 1. Avec, pardon, K appartenant à N. Donc, quel que soit un appartenant à N d'étoile moins le singleton 1, il existe un K. Un K tel que
le nombre qui est égal à 4mk plus 1 premier et divise A de n. Comme n décrit m étoile moins 1, alors nk décrit n. Et puisque chaque nombre donne naissance à un nombre premier, donc la suite 4n plus 1 n appartenant à n contient n infinité de nombres premiers. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.